الحمد لله رب العالمين ويوم السماوات والأراضين إله الأولين والآخرين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الناس جاء في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله متى الساعة؟ يا رسول الله متى الساعة؟ قال وماذا أعددت لها؟ وماذا أعددت لها؟ عباد الله، يدل هذا الحديث على أهمية الاستعداد ليوم المعاد، يوم يقوم الناس لرب العالمين، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ويقول ربنا في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون أنس ابن مالك رضي الله عنه Le célèbre disciple du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui, qui était son homme de main et qui est resté à son service pendant 10 ans, rapporte qu'un homme, un jour, est venu trouver le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et lui a demandé, « Ya Rasul Allah, matas sa'a ?» Ô messager d'Allah, quand donc aura lieu la fin des temps? Quand donc aura lieu le jour du jugement? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu: Wa madha a'dadta laha? Mais qu'as-tu préparé pour ce grand jour? Mais qu'as-tu préparé pour l'heure? Qu'as-tu préparé pour ce jour, le jour de la résurrection? Et ce hadith de grande valeur nous montre en toute clarté l'importance de se préparer au jour du retour vers Allah. Ce récit prophétique rapporté par les imams Al-Bukhari et Muslim attire notre attention sur l'importance de se préparer au jour de la résurrection. Ce jour durant lequel les gens se tiendront debout devant le Seigneur de l'univers. Ce jour où ni l'argent, ni les biens, ni ton nombre d'enfants, ni ta famille, tes proches, ni ta position sociale ne te sera d'aucune utilité quelconque. Si tu ne te présentes pas à Allah avec un cœur saint, avec un cœur purifié de la mécréance, de l'associationnisme, du polythéisme et des grands péchés. Et Allah, qu'il soit glorifié et exalté, nous dit dans son humble livre, dans la sourate 59, versets 18, 19 et 20,
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون Allah nous dit dans ces nobles versets, en traduction relative et rapprochée du sens, ô vous qui avez la foi, craignez Allah, prémunissez-vous vis-à-vis d'Allah, et que chaque âme observe attentivement ce qu'elle a préparé pour demain. Et craignez Allah, certes Allah est parfaitement connaisseur de tout ce que vous faites. Et ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah. Allah leur a fait oublier leur propre personne. Ceux-là sont les grands désobéissants, les pervers. Et ne sont pas égaux les gens du feu et ceux du paradis. Les gens du paradis sont ceux qui ont véritablement réussi. Even. يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله أي يا أيها المسلمون أيها الذين صدقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه خافوا الله واحذروا عقابه بفعل ما أمركم به وترك ما نهاكم عنه يأمر تعالى عباده المؤمنين بما يوجبه الإيمان ويقتضيه من لزوم تقواه سرا وعلانية في جميع الأحوال وأن يراعوا ما أمرهم الله به من أوامر وشرائعه وحدوده ainsi Allah nous dit ô vous qui avez la foi craignez Allah. C'est-à-dire, Ya ayyuhal muslimoun, ô vous les musulmans et les musulmanes, vous qui croyez en Allah et en son messager, sallallahu alayhi wa sallam, vous qui vous efforcez de mettre en application sa législation, sa religion, l'islam, eh bien, craignez Allah. Ayez peur d'Allah et prémunissez-vous vis-à-vis de son châtiment. Prenez vos précautions vis-à-vis de son châtiment. Et ceci se réalise par le fait de mettre en application pleinement les ordres d'Allah, par le fait de s'écarter totalement de ses interdits. Allah, ici, ordonne aux croyants de mettre en application ce qui doit découler obligatoirement et nécessairement de leur foi. Il ordonne aux croyants et aux croyantes de mettre en application ce qu'implique leur foi en ce qui concerne la crainte pieuse. Car le croyant se doit de craindre Allah, celui ou celle qui prétend avoir la foi, tu dois de craindre Allah. Ainsi Allah, dans ce verset, appelle les croyants par leur foi et leur ordonne de le craindre lorsqu'ils sont seuls et isolés, tout comme ils se doivent de le craindre lorsqu'ils sont entourés, lorsqu'il y a des gens avec eux. Il ordonne les croyants et les croyantes de le craindre en secret et en public, où qu'ils soient, et quelle que soit leur situation, il leur ordonne de préserver ses limites et ses droits. Il leur ordonne de mettre en application ses ordres. Ceux qu'on trouve dans la religion d'Allah,
ceux qui nous sont parvenus via le Coran et la Sunna, les ordres et les interdits d'Allah qu'on trouve dans le Coran et dans la Sunna de son messager, les enseignements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il ordonne aux croyants de respecter les limites prescrites. ثم يقول الله سبحانه وتعالى ولتنظر نفس ما قدمت لغد ولتنظر نفس ما قدمت لغد أي ولتتدبر كل نفس ما قدمت من الأعمال ليوم القيامة وخافوا الله في كل ما تأتون وما تذرون إن الله خبير بما تعملون لا يخفى عليه شيء من أعمالكم وهو مجازيكم عليها وهو مجازيكم عليها فهذه الآية الكريمة ولتنظر نفس ما قدمت لغد أصل في محاسبة العبد نفسه. Puis Allah nous dit, dans le verset 18, il nous dit, en traduction relative et rapprochée du sens du verset, et que chaque âme observe attentivement ce qu'elle a préparé pour demain. Et que chaque âme observe attentivement ce qu'elle a avancé pour demain. C'est-à-dire que tout un chacun, chaque homme et chaque femme, croyant et croyante, chaque âme musulmane se doit de regarder attentivement où elle en est. Où elle en est vis-à-vis de ses œuvres. Ses œuvres au sujet desquelles elle sera interrogée au jour de la résurrection. Chaque homme et chaque femme, chaque âme musulmane, se doit d'observer attentivement, de méditer sur ses œuvres, où elle en est vis-à-vis des droits d'Allah, vis-à-vis des limites prescrites par Allah, vis-à-vis des ordres et des interdits d'Allah. Il y a ici un message qui est sous-entendu, qui est que chacun se doit de craindre Allah dans tout ce qu'il fait et dans tout ce qu'il délaisse. Chacun se doit de craindre Allah dans tout ce qu'il fait et dans tout ce qu'il délaisse. Car Allah est parfaitement connaisseur de toutes nos actions, de tous nos actes. Rien ne lui est caché de nos actions. Et il est celui qui va nous rétribuer en fonction de nos actions. Il est celui qui va nous rétribuer, qui va nous récompenser en bien ou en mal, sujet de nos actions. Il est le juste par excellence. C'est pour cela que ce verset « وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ » et que chaque âme regarde attentivement ce qu'elle a préparé pour demain, eh bien, cette portion du verset est une référence en ce qui concerne l'examen de conscience, en ce qui concerne la remise en question du serviteur. Le verset « وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ » est un verset de référence. عباد الله هذه الآية الكريمة أصل في محاسبة العبد نفسه فإن رأى زللا تداركه بالإقلاع عنه وتوبة النصوح والإعراض عن الأسباب الموصلة إليه وإن رأى نفسه مقصرا في أمر من أوامر الله يعرجه ببذل جهده وسعان بربه ومن حافظ على تقوى الله ونظر لما قدم ليوم الدين يوم القيامة فاستحق جنات النعيم والعيش السليم مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. Ainsi, ce verset est un verset de référence
en ce qui concerne l'examen de conscience, en ce qui concerne le fait de faire le bilan de sa vie et de ses œuvres, en ce qui concerne le fait de regarder où on en est concrètement vis-à-vis de nos œuvres, de nos actes, de nos actions. Et le serviteur qui fait cela, comme le dit le noble cheikh Abdelaziz ibn Baz, rahimahullah ta'ala, celui qui regarde attentivement où il en est, il va constater qu'il a beaucoup de choses à corriger et à rectifier. Il va constater qu'il a beaucoup de choses à corriger et à rectifier. Et celui qui constate cela, celui qui constate qu'il a des péchés, celui qui constate qu'il a des fautes à corriger, eh bien, qu'il les corrige et qu'il se repente sincèrement à Allah. Et également, qu'il coupe les voies qui mènent à commettre ses péchés. Les voies qui l'emmènent à commettre tel ou tel péché, il se doit de les bloquer, de les couper. Souvent, on souhaite mettre fin à telle ou telle déviation qu'on a ou à tel ou tel péché qu'on commet, mais on ne met pas fin aux choses qui nous emmènent à sombrer dans ces choses-là. On ne coupe pas les voies qui nous emmènent à commettre ces péchés. C'est pour cela que le serviteur, non seulement doit cesser ses fautes, mais également, il doit obstruer les voies qui l'emmène à commettre tel ou tel péché. Et si le serviteur voit qu'il a des lacunes concernant un ordre d'Allah, concernant ses actes d'adoration par exemple, eh bien, il doit corriger cela en déployant ses efforts, en prenant sur lui-même et en cherchant l'aide et le soutien de son Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala. Et en vérité, quiconque agit dans la crainte pieuse, quiconque préserve les limites prescrites par Allah, quiconque respecte le droit d'Allah et agit pieusement et regarde attentivement où il en est vis-à-vis de ses œuvres, où il en est vis-à-vis de ses actions, quiconque regarde attentivement où il en est, et qu'est-ce qu'il a préparé pour le jour de la résurrection? Eh bien, une telle personne aura mérité d'entrer dans les jardins de délices et de vivre une vie éternelle, agréable et apaisée, en compagnie de ceux qu'Allah a comblés de ses bienfaits. Et ce sont les prophètes, les véridiques, les martyrs et les pieux. Ceux qu'Allah a comblés de ses bienfaits, ce sont les prophètes, les véridiques, les martyrs et les pieux. Et celui qui fait le bilan de ses actions en toute sincérité et qui corrige ce qu'il a à corriger et qui rectifie ce qu'il a à rectifier et qui se repent sincèrement à Allah, eh bien une telle personne aura mérité d'être dans le voisinage, dans la proximité des prophètes, des véridiques, des martyrs et des pieux au jour de la résurrection. Bi'idhnillah. Thumma yaqulu Allah ta'ala wa la takunu kallatheena nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. ولا تكونوا أيها المؤمنون كالذين تركوا أداء حق الله الذي أوجبه عليهم فأنساهم بسبب ذلك حظوظ أنفسهم من الخيرات التي تنجيهم من عذاب يوم القيامة أولئك هم الموصوفون بالفسق الخارجون عن طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم ومن غفل عن ذكر الله ونسي حقوقه فشقي في الدنيا واستحق العذاب
fil akhirah. Puis Allah nous dit, en traduction relative et rapprochée du verset 19 de la sourate 59, il nous dit, et ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah. Allah leur a fait oublier leur propre personne. Ceux-là sont les grands désobéissants, les pervers. C'est-à-dire, ô vous les croyants et les croyantes, ne soyez pas comme ceux qui ont oublié le droit d'Allah. Ne soyez pas comme ceux qui ont tourné le dos au droit d'Allah, ce droit qui leur avait pourtant rendu obligatoire. En faisant cela, ils ont oublié d'œuvrer dans le bien. Ils ont oublié leur propre personne. Ils ont oublié de prendre leur provision d'œuvres pieuses et d'actions méritoires. Ces œuvres pieuses et ces actions méritoires qui auraient été pour eux une cause de délivrance vis-à-vis du châtiment au jour de la résurrection. Ceux-là qui ont tourné le dos au droit d'Allah, ceux-là qui ont oublié Allah et qui ont oublié leur propre personne, ceux-là, Allah les qualifie comme étant des grands désobéissants, des pervers. Ils sont sortis de l'obéissance à Allah et à celle de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Et quiconque vit ainsi, quiconque fait preuve d'une grande insouciance, d'une totale négligence vis-à-vis du rappel d'Allah, et par cela, et néglige le droit d'Allah, et tourne le dos au droit d'Allah, eh bien ceux-là seront malheureux dans cette vie d'ici-bas et auront mérité le châtiment dans celle de l'au-delà. Tourner le dos au rappel d'Allah te rend malheureux dans cette vie d'ici-bas et te fait mériter le châtiment dans la vie de l'au-delà. قال الله سبحانه وتعالى لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. نعم يا عباد الله، لا يستوي أصحاب النار المعذبون وأصحاب الجنة المنعمون، أصحاب الجنة هم الظافرون بكل مطلوب الناجون من كل مكروه. Allah conclut en nous disant: ne sont pas égaux les gens de l'enfer et ceux du paradis. Les gens du paradis sont ceux qui véritablement ont réussi. Effectivement, serviteurs d'Allah, ils ne sont pas égaux les gens de l'enfer, les habitants de l'enfer. Et les gens du paradis, les habitants du paradis, les gens de l'enfer et les gens du paradis n'ont rien à voir. Ils ne sont pas égaux. Ceux de l'enfer seront châtiés, torturés, exposés au pire des châtiments. Wal'iyadhu billah, et qu'Allah nous en préserve. Tandis que les gens du paradis, les habitants du paradis, seront comblés de tous les délices. Tous leurs désirs seront exaucés. Les gens du paradis se verront accorder tout ce qu'ils souhaiteront, absolument tout ce qu'ils souhaiteront. Ils seront préservés de toute chose détestable et de toute chose désagréable. Aussi, nous demandons à Allah de nous placer parmi les habitants du paradis. Nous demandons à Allah de nous faire entrer dans son vaste paradis et de nous faciliter les œuvres qui y mènent, tout comme nous lui demandons de nous préserver de l'enfer et de nous préserver des choses qui mènent à l'enfer. Barakallahu fikum wa jazakum Allahu khayran. Subhanakallahumma wa bihamdik. La ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
والحمد لله رب العالمين.